Ferran Jutglà est un jeune attaquant évoluant au FC Barcelone. Cartonnant avec la réserve de l'équipe catalane, pour qui il a marqué 19 buts en championnat, l'Espagnol avait intégré le groupe professionnel. Participant à 6 rencontres de championnat, un but, il se fit surtout remarquer en offrant la victoire au Blaugrana en 16e de Coupe du Roi face à l'INA. Bien que prometteur, il ne devrait cependant pas faire long feu en Catalogne. En effet, âgé de 23 ans, il commence à se faire vieux pour l'équipe B compte tenu de ses ambitions, cependant il ne semble pas rentrer dans les plans de l'équipe première. CCMA indique que l'attaquant devrait signer au club Bruges moyennant une indemnité de transfert comprise entre 5 et 10 millions d'euros. Cette année aura été celle de la révélation pour Villarreal. L'équipe d'Unai Emery a impressionné son monde en Ligue des Champions notamment en sortant le Bayern Munich lors des quarts de finale de la compétition, mais aussi en posant des soucis à Liverpool, qui a lutté pour accéder à la finale. Mais dans cette double confrontation, le niveau du portier du sous-marin jaune Geronimo Rulli a beaucoup fait parler. Le portier argentin a été coupable de quelques boulettes qui ont rendu la tâche des siens encore plus difficile. Et selon les informations de Marca, Villarreal cherche clairement un numéro 1 bis pour la saison prochaine. Selon le quotidien espagnol, la direction veut s'attacher les services de David Ospina, gardien du Napoli qui arrive en fin de contrat cet été. L'idée est de le mettre en concurrence directe avec l'ancien de Montpellier. Il ne rentrera pas en Angleterre. Fulham l'a annoncé. André Frank Zambo Anguissa, 26 ans, rejoindra définitivement le Napoli cet été pour un montant non divulgué, après que le club italien ait exercé son option pour rendre son contrat permanent. Le milieu de terrain international camerounais, 41 sélections, a disputé 30 matchs cette saison en prêt à Naples, 3e de série à passer de Marseille à Fulham pour 25 millions d'euros en 2018, il a fait 66 apparitions avec les Cotagés.